Et nous sommes de retour pour plus de Fanex. Alors, on était en train de honnêtement, de se balader. Âme de Gaïa, on a trois cryptes à faire. Et un coffre. Pourquoi pas. On va se déplacer là, on va faire le coffre et les trois cryptes. Ouais, on se balade pour le moment, honnêtement. Voilà, on fait post-balade. On a récupéré plein de pouvoirs, on est de plus en plus puissant. Coffre, je le vois pas sur la... sur le truc. Quoi ce bruit? Voilà. Ah mais Jean-Pierre, t'es passé où? Eh, hey, monture! Toi, bien. Après, qu'est-ce que ça dit pour l'armure? Je me rappelle plus. Plus 3 supplémentaires à la jauge de combo en cas d'emploi de potion. Ouais, alors ça, à la limite, non, ça c'est pas vraiment utile. Ça servira à rien. C'était le rouge, le coffre? Je me rappelle plus. Ouais. C'est bête, j'aurais bien voulu que l'armure, genre, augmente encore plus, genre, chance d'avoir, je sais pas, plus 10. Ou genre, la première augmentation, c'est plus 1, et après, quand on passe à la deuxième augmentation, ce serait plus 2. Ce serait vraiment cool. Donc du coup, ce serait plus 3 à chaque fois. Bois de Cléos. Ouais, mais il est dans cette zone-là, le coffre. Merde. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Faites pas attention à moi. Broc doré 3. Je me demande quand on ouvre les coffres, est-ce que ça marche aussi? J'imagine que quand on verra Ambre doré 4, ça voudra dire que ça marche. Parce que je crois bien que depuis le début du jeu, on a toujours eu que 3. Jamais eu 4. Bon, j'imagine que les machins, je les one-shot plus hein, ici. D'accord. Pas rester. C'était pas le coffre. C'était pas le bon coffre. Pour ça, je me suis dit, c'est bizarre quand même de se retrouver là. Oh mon dieu, la bestiole en dessous de moi, quoi. On entre dans plein d'endroits différents, c'est bien. C'est un défi. Merde. Changer d'équipement.
Ah la pute. Tiens, prends-toi ça. Ah, j'ai pas vu si on avait récupéré de la vie. J'ai envie de tester avec lui, il fait pas très mal, vas-y. On s'est loupé. Non. Bon, merde. En train de me dire, peut-être que l'épée là, esquiver rien, une esquive parfaite. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui récupère plus d'énergie en fait? Coup fatal avec... Ouais non, non c'est pas bien. Comme rien. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis toujours en train de me demander si on peut pas trouver une meilleure épée en fait. Enfin, si on peut pas utiliser une meilleure épée, mais en fait on n'a pas vraiment le choix pour moi. Pas trop le choix. Je sais où on doit aller. Dans 15 mètres le coffre. Très bien. Oh, yes. Nickel. Alors, fais voir un peu. Des trucs volants. Et des harpies. Bien. Non, on est vraiment mal tombé par contre. Nickel. On va faire des passages dans l'eau apparemment. On a une torche là. On a plein de trucs dans l'eau. Ah, j'ai vu qu'il y avait une torche à allumer. Ouais, elle est là. J'imagine qu'il y a une autre torche. C'est quoi ça? Ah mais c'est même pas le bon en fait. Ah passer au-dessus. Quoi? Ah
la hitbox. Oh, faut l'ouvrir dans l'eau? Voile de requin chassé. Pointe. Ah, mais putain, on peut... J'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait sprint... Enfin, sprint... Vous m'avez compris, quoi. Aller plus vite dans l'eau. Bon, par contre, c'était juste un... Un skin... Le chapeau en bleu là, le petit capuche. Pas top top. On est bientôt en octobre là pour moi. Parce que ces vidéos vont sortir assez... Pas trop souvent parce que j'ai plein de... Enfin, j'ai plein. Trois séries en ce moment qui sortent sur la chaîne. J'ai Rift Breaker qui devrait bientôt finir. J'ai... T'es où toi? Westland 3. Du coup avec ça, ça m'en ferait une troisième. À 30 mètres, tu crois que t'es... C'est sous l'eau? Est-ce que ça, c'est pas un tunnel, là, le truc sur lequel je suis en train de grimper, là? Non. Ah. Peut-être ici. C'est quoi? C'est un bouton. Ça marche. Ok. Donc il y en a trois. Ah, c'est là alors. Du coup. Ouais. Ok, parfait. Donc oui, 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 j'ai trois séries. Avec ça, du coup. Puis bientôt en octobre, du coup, essayer de faire les jeux d'Halloween pendant le mois d'octobre. Espérons que je trouve la motivation pour, parce que c'est ça qui me fait défaut pour le moment. Est-ce qu'il nous voit si on est sous l'eau? On est caché. Par contre, je voudrais bien que tu te retournes pour que j'arrive sur la berge et que je vous défonce tous. Merde. Allez, les trois d'un coup. Alors j'ai vu qu'il y avait deux petits trucs. Celui-là, là-haut. What the fuck? Qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? Ça sert à quoi? Moi je peux passer... Ah mais d'accord, en fait je crois que c'est... Voilà.
Vous pouvez passer en dessous si vous voulez. Ouais, non, moi je passe au-dessus. Je crois que j'allais me faire chier ou quoi. On a pas la tête. Ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs dans l'eau. On y va. Là, c'est quoi? C'est pour me tuer? Oh, il y a vraiment des trucs dans l'eau en fait. Oh, il y a des très très gros éclairs encore. Il ne reste plus que trois. Plus qu'un, pardon. Non, je pense que ça doit être dans le périmètre. Je pense que là c'est un autre périmètre, c'est où c'est qu'on était. Je crois que ça doit être là. Quelque part là. Le problème c'est de pas voir grand chose. Oh, ça me rend fou. Surtout avec ce bruit. Ça, on est d'accord, ça marche pas, ça. Je voudrais de l'aide. Genre une petite direction, là, minute. Je dirais pas non pour une petite direction. Désolé si ça prend du temps, je fais de mon mieux. Ça va m'embêter, cette merde. Un. Le 2, il était sous l'eau. Où est-ce que peut être le troisième? De différents passages, mais genre il n'y a pas de torcher. Ah, attends, non, bon, j'ai vu aucune torche qui était pas allumée, donc
Je l'aurais bien vu derrière moi, comme ça là. Oh, ça me garde. Mais ça par contre c'est un peu chiant de pas trouver les choses comme ça. Est-ce qu'il serait encore plus haut? Et je vois pas pourquoi on a autant de boîtes aussi. Genre on en a deux. Il y a des cailloux partout aussi. Donc à la limite, je vois pas trop le but. Ça va m'embêter. Il y a une licorne là-haut. Encore 2 minutes et après je me casse. Ah, trouvé. Je me suis dit, ça va peut-être suivre le chemin, en fait. Des portes sous l'eau. En fait, c'était ça, ouais. Fallait simplement suivre les portes sous l'eau, en gros. C'était dans la continuité. Oh non. Non, toujours pas Kratos, non. Mon dieu, non. What? Je sens que ça va être vidéo. Et mon téléphone. Je crois qu'on va enregistrer ça. Parce que là, non. Ok. Donc on l'a enregistré au cas où. Alors. 1. On avait dit que c'était quoi le 1? Celui à droite ou celui à gauche? Je me rappelle même plus. Non, celui à gauche. Donc 1, 3, 2. 1, 3, 2, 4. 2, 1. 1, 3, 2, 4. Attends, on va l'écrire. On va l'écrire. Je risque de m'en rappeler, mais je suis pas complètement sûr. Donc, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Et après, c'est 1, 3, 2, 4. 2, 1. Ouais, c'est pas très compliqué, mais. Le truc, c'est que j'ai pas envie de. De revenir, quoi. Du coup. Après, on se re-téléportera là pour faire les cryptes. Pam palapam. Alors, en plus, c'est le dernier, donc c'est 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4, 2, 1. Ouais, au moins 20, vas-y. Ouais, d'accord, super. C'était de la merde. C'est de la merde. Pourquoi tu veux pas?
alors. Crypte. Crypte, crypte. On va faire ça là en premier. Le gros orage. J'ai des putains d'éclairs de ouf. Oh, attends. Celui-là de gauche, on l'avait fait. Hein. Ouais. Donc, elle est où la crypte? En haut, en bas? Elle est en bas. Oh, attends. Oh, ça tremble. Putain, ça se bat super loin. Parce que si je bouge un peu, je le perds. Ouais, ça s'en met. En bas. Sûrement un... une sorte de crevasse. Qu'est-ce que c'est bien ce système quand même. Non, c'est pas ça. Je voulais tester ça. Ah non, ça a pas l'air de faire tomber plus de pommes. Grenade, grenade. Pas des pommes. Sauter aussi, c'est vrai. Oui, non, en fait, on peut sauter. Ça fait beaucoup de d'adamante ou pas? Ça va plus vite en fait de sauter. Bon, la crypte. Pas de go. Ah. Si, là. Nickel. Chemin éolien. Ok. Ça marche. Faut que je la rattrape, ça. Oh! C'est quoi ce qu'il a fait? Ah oui, c'est ça que ça a fait monter ça. D'accord, cool. Oh, on va devoir s'amuser avec le vent, quoi. Trop bien, il adore ça. Trop bien. Là.
tout loupé. J'imagine qu'il faut la faire passer là en fait. Ah putain! C'est peut-être trop tôt. Voilà, là c'est plus mieux dirigé là. On y est presque. Ouh, que c'est fun! Pourquoi j'ai besoin d'une boule? Dans ce sens-là. Ah, là-bas. Faut que je la rattrape, je crois. Et où est-ce qu'on va comme ça? C'est pas très compliqué. Par contre, il y a le coffre qui est pas loin. Donc ce qu'on chercherait, on n'est toujours pas Kratos, ce serait l'armure des... C'est quoi Blastro Nocturne Vautour? L'armure... Ça, mais le torse en fait, ça. Par contre, ça faisait quoi ça déjà? Au consul, tu portes un frère en cas d'atteinte dans les airs, deux supplémentaires de opportunité. Ça, ça peut être pas mal aussi qu'on combattra le truc dans les airs là, je sais pas. Genre, on récupère de l'énergie plus rapidement. Ça permettrait de. De spammer. D'accord. Ah ouais, super. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ça. Ok. Ah mais... Faudrait lui donner de la vitesse. Quoique... Fallait faire ça ou pas? Pas complètement sûr qu'il fallait l'arrêter comme ça, mais bon. On est passé, ça va. Mais je sais pas. Je sais pas si on l'a fait 100% exactement comme il fallait. Je crois qu'on peut avoir une barre
barre d'endurance. Ah, le SSD il charge trop vite quoi, j'ai pas le temps de récupérer les fragments. Quand je pouvais, à un moment pendant un des épisodes, je pouvais récupérer les fragments. Je crois que c'est parce que je faisais le rendu en même temps sur le PC. Je crois que c'est ça. C'est à moi ça. $150, pas mal. Ça, on l'avait fait. Pour octobre, j'aime bien ma liste. Je vais faire Alone in the Dark. Le A New Nightmare, celui de PS1. Qu'après, il a été porté sur PS2 aussi, donc on va faire la version PS2. Elle est plus jolie, et surtout qu'on peut mettre en 60 Hz. Donc on va faire ça. C'est un jeu que je voulais faire depuis un moment. Sur la chaîne, je parle. Je l'avais déjà fait, mais j'étais petit, quoi. Ça, il y a Q1 aussi, de PS2, c'est de From Software apparemment. Jamais fait, je connaissais même pas avant de trouver une vidéo dessus. Donc ces deux-là, je suis très motivé pour les faire. Après, il y a The Evil Within 1, je l'ai fait qu'une seule fois, The Evil Within 1. Quand il était sorti, j'ai eu une très mauvaise expérience sur ce jeu. Parce que quand il était sorti, il était vraiment pas top. Genre avec les barres noires et tout, qu'on pouvait pas enlever et tout, machin. J'ai vraiment pas apprécié l'histoire. Alors après, peut-être que, encore une fois, j'étais pas dans l'optique de l'histoire. Parce que le 2, j'ai adoré le 2, pardon. Je l'ai fait 150 fois le 2. Mais j'avoue que le 1, j'ai vraiment pas aimé. Donc du coup, je me demande si c'est parce que c'était à l'époque, quoi. Des fois, on a du mal à apprécier certains jeux, certaines choses. J'avais peur que ça tape le bouclier, mais en fait non, le bouclier marche que quand... Vite. Hop. Toi bien. Merde. Chut. Ouh. Ah, le renvoi de projectile indemne, oui, c'est pas mal aussi hein, quand même. Hein. Ça fait bien mal. Ouais, j'allais dire que des fois il y a des jeux comme ça qu'on n'apprécie pas parce que... Genre on n'était pas vraiment d'humeur. Genre mauvais état d'esprit pour apprécier un jeu. Vous voyez, un truc comme ça. Parti. Donc ouais, ça. Le recommencer, le refaire plutôt. Après j'ai écrit quoi? Je me rappelle plus. Arène d'agilité. Ah, ça va être du combat.
pas besoin de changer d'armure. Bon, là peut-être. Attention, elle est pique. Apparemment, ça se déclenche pas. Now. Ne change pas, changer d'armure. Ok, tu m'as saoulé, c'est bon. Tiens. Ah, 4882. Ouh la vache. Putain de merde. Oh, doucement, on va se calmer. Écraser le machin. Toi, quoi. Il y a encore un pigeon ou pas? Il y a encore un pigeon. Ah la pute! J'ai l'impression qu'on est plus ou moins invincible quand on balance l'attaque. Hop! Super. Je pensais que les lasers, vu qu'ils s'étaient arrêtés, mais si ça va, ils se sont arrêtés pendant pour le combat, quoi. On va se remettre en one shot. Comme... J'aurais pu être... Tiens, c'est pas trop bas. Ok, nickel, nickel, nickel. Alors ce qui s'est passé là, c'est que j'ai popé, je sais, je voulais pas, mais j'ai popé une potion d'attaque. Et on était en one shot et on a fait la grosse attaque du marteau. On a fait peut-être 9000 de dégâts, je crois. Je sais pas. On a fait très mal en tout cas. Qui sont où les lasers? Voilà. Ah.
Nickel. Les vers font mal aussi. Bon, bah je crois que on a démontré que c'était très puissant quand même. On a démontré que c'était extrêmement puissant. On a combattu un truc qu'on n'a jamais vu là, avec un multibras là. Une araignée. Ouh, fragment fondu. Je sais pas combien il nous en faut pour ça. On peut rassembler. Menez bien toutes les tâches héroïques des cryptes de Tartare du tableau des tâches d'Hermès. J'aime bien ces arènes comme ça là, elles sont vraiment cool. Sont vraiment bien. Ah, surtout que maintenant, oui, ça devient encore un peu plus fun pour nous parce qu'on commence à avoir des bonnes habiletés. Je crois qu'avec les pièces de Archon là, ce que je vais prendre, c'est le... Merde, je vais y arriver. Hein. Le marteau, là. Et aventurier, j'ai oublié mon marteau. Non, l'attaque du marteau en onde de choc. Je crois que ça va vraiment nous aider pour des endroits comme ça. Genre ça. Je pense que ça peut être vachement bien. Surtout quand il y a plein d'ennemis. Après, ça fait pas énormément de dégâts comparé à ça, par exemple. Enfin, comparé à la chargée, parce que nous, on fait la chargée. Ça fait 1200. Ça fera juste 250. Mais enfin, avec le one-shot, avec les dégâts indemnes, je pense que ça peut être pas mal. Après, on a ça aussi qui peut intéresser, hein, mais bon. Ces attaques-là, elles font... En fait, on va pas pouvoir trop spammer non plus parce que on est quand même limité en endurance. Mais bon, nous on est plutôt marteau. Attends, il y a une crypte qui est juste là. D'accord, il y a une crypte juste là du coup. Oh. Non, moi c'est ça, c'est là que j'ai vu. C'est une zone inexplorée où je regarde, donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs. On peut aller à celle-là, elle est pas très loin. Elle est pas très loin, mais elle est dans une zone un peu plus vénère, je crois.
saloperie de poulet. Oh, c'est joli cette chambre bleue. Je crois que... Je crois qu'il l'avait touché. C'est pour ça qu'on a fait très peu de dégâts. Waouh, le machin quoi. Faut pas que je fasse le double saut quand je saute pour attaquer. Parce que du coup je peux plus faire de d'esquive. 4200 tiens, ouais, casse-toi. Parce qu'on peut ce dash en fait, on peut le faire qu'une seule fois. Alors nous on doit aller là-bas. Toi on va pas te one shot. Ah, putain, il est à la con. De la contre-attaque à la hache, c'est vrai que c'est un peu short. Non, ça marche pas tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Là, voilà, parce que là, si on avait fait ta talente. Super. Je fais de la merde. Mon Dieu. On va s'occuper de toi parce que... D'accord, ok. Oh non! Oh
putain, on était bien en plus. Je veux pas dire, mais je crois que on récupère plein de cristaux d'adamante quand on combat dans les zones spectrales. Ah la vache, putain, on était bien. Ah, du coup, on a tout loupé, quoi. Ouais. Est-ce que peut-être qu'on va en avoir une... Ah bah oui, elle va revenir normalement. Bon, on va faire full potion là par contre. Non, on s'est merdé. On l'a pas. Ah putain. Ah d'accord, bon. Maintenant on sera pour... Zone spectrale, il faut pas crever. Parce que là, ça faisait énormément d'adamante. Oh putain, je suis dégoûté. Ah merde. Ah, j'ai envie de pleurer, quoi. Ah, ça m'énerve. Donc faut surtout, surtout pas crever. Est-ce qu'on a désactivé un cristal ou pas? Merde! Quel débile. J'ai juste simplement oublié de déployer mes ailes. Voilà, ça arrive. Juste à côté. Deux coffres. Ah, derrière. On refait la même chose. Pas très très dur.
Enfin, je crois là, je suis en train de me demander. Y a rien qui s'active. Il y en a encore plein. Bon, là, j'avoue avoir peut-être poussé encore. J'allais dire avoir plus de flèches, ça serait utile, mais en fait. Pas vraiment. Ah, du coup, en fait, faut trouver le bon, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a qu'un seul, en fait, qui est bon. J'aime pas vraiment ça. Cette crypte, c'est un peu chiant. Ça, celui-là, non. Voilà. Oh non, ça nous tire des boules de feu. Bon, moi j'avoue que ça peut être trop doux. Je sais pas pourquoi j'ai activé celui là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, pour octobre aussi, il y a Dino Crisis 2. C'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais j'ai fait le premier sur la chaîne, donc je me suis dit. Je vais faire le deuxième. C'est plus un kiff qu'autre chose. J'aime bien de l'action. Mais le gameplay est cool en fait du 2. Le gameplay du 2 est vachement sympa. Non, c'était bien chronométré cette merde. Oh putain. Pète un câble. Là, il faudrait plus de flèches en fait. Oh mon dieu, même celui-là. Ouais, non, là, il me faut des flèches là.
Bien joué. Non! Je crois que je peux pas le faire. Je crois que je peux pas le faire. J'ai pas assez de flèches, tout simplement. Ça met trop longtemps à revenir. Faudrait que je puisse les spammer, en fait, les flèches. Bon, bah, on a une crypte. On est bloqué à cause des flèches. Je pensais pas que ça allait arriver, mais... Mais c'est arrivé. Ça m'embête, ça. Donc on est mort pendant le... stocke des aliments appelés grains dans des greniers sous l'autorité de Déméter, qui s'occupe aussi des mystères de l'au-delà. Mais on lui a donné tous les boulots pourris à celle-là. On pourrait peut-être les regrouper, non? Les mettre en gerbe. Ça lui ferait un peu moins de grains à moudre. Qu'est-ce que je vais dire, là? Ah oui, il faut augmenter les flèches. On arrête d'augmenter les potions. Il faudrait au moins peut-être deux upgrades de flèches. Qu'on en ait un peu plus d'une dizaine, en fait. C'est quoi, c'est... Il n'y a rien à faire. Cléos encore. Pas d'offrande. Ah. Qu'est-ce que c'est rare. Mais putain! D'accord.
D'accord. C'est méga précise. Oh la vache, elle m'a défoncé. D'accord, ok, c'est un peu trop mal. Waouh, mais comme elle est précise. Ah putain, je peux pas. C'est rouge. Toi aussi tu veux t'amuser? Ok. Oh vache. Ah, c'était pas mal là. On a eu quelques... On a utilisé quelques potions, mais ça va. Je sais pas combien d'adamantes on a récupéré, hein, mais je pense qu'on a récupéré un petit paquet. On est mort une fois. Ah, ça fait super mal. À un moment, je sais... Ouais, non, c'est la flèche rouge, en fait. Imparable que je me suis pris, mais... J'étais collé à elle, en fait. Je crois que c'est ça qui m'a tué. Parce qu'après, on s'en est repris une, et ça faisait pas autant de dégâts, donc je sais pas. Pas trop certain de ce qui s'est passé. Toile d'arachnée. Oh, pas les araignées. Ça casse ou pas? Voilà. Je pense que en fait il faut bloquer le laser avec ça. Oh putain de toi. Ouais, en fait il faut bloquer le laser avec avec les petites boîtes. Et après on met la selle en bois. T'es pas dessus? Attends, parce que... Ouais, le laser est trop proche de ce côté-là. Et c'est trop loin. Ça passe à travers ça? Attends, c'est la bleue là. Attends, pas un moment. Non, ça passe. Oui.
La bleue, ça passe pas non plus. Par contre, je vais voir combien on a un coffre. Pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai récupéré des petits morceaux. Mais attends. Celle-là, elle va le dé... Là, c'est le... Ça le met au-dessus de sa tête, faut faire ça. Je peux sauter? Non, je peux pas sauter. Je sais pas ce que j'en fais en fait ces petits trucs là. Je fais de la merde. Oui, c'est fun. Ça, c'est de la gymnastique mentale. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça. On va prendre le deuxième, juste au cas où. Je suis sûr que je peux me débrouiller avec ce que j'ai là. Là. Je voulais la jeter un moment et après en fait je me suis dit non. Ah le coffre. Okay, le coffre est dans celle-là. S'il faut une boîte ou pas. Une boîte, qu'est-ce que j'en fasse de ça? Ah, tu vas me dire que c'est... Moi, j'ai pris des petites... en clé, là. Que je me suis bloqué comme un débile quoi. Oh, maintenant faut que je reparte avec ça quoi. J'ai déjà résolu le puzzle en fait. Voilà. Bah, je crois.
Ah, ça c'est le vrai puzzle. Mais moi j'ai utilisé les mêmes trucs du même côté. Donc par contre, pour aller à la tour, c'est une autre histoire. Ouais, donc on va devoir retomber. Ah, attends. Ah, voilà. Par contre, est-ce que j'ai un double? Pas sur ça. Yes. Oh, wow, wow. Parfait. Ouh, endurante sagesse. Ouais, joli en plus. Fais-moi rêver. Alors, les tirs dans la tête ont une probabilité de 33% d'affiler de la foudre jusqu'à 3 ennemis. Ok. 3 ennemis, la foudre. C'est quoi? C'est l'armure d'Adès, de Zeus. Tiens, j'avais pas fait attention. Les bracelets, là, ils changent par rapport à l'armure aussi. J'avais pas fait attention. Ils s'adaptent à l'armure. Tire ma tête ont une probabilité de 33% d'infliger la foudre jusqu'à 3. Je sais pas si c'est. Ouais, tout ce que. Ah, bah, y a du. Protection. Faudrait voir si. On va voir ce que ça fait, cette foudre là. Merde. Pourquoi il y avait un... Pourquoi il y avait un laser qui bougeait? Ah, c'est celui-là. Go, go, go. Ok. Oh. Avec trois blocs. On devrait être bon. Puis on a le la statue aussi. Juste pas que ça détruise. Ah non, ça... Alors attends. Ah oui non mais non on peut passer par là. Ah, j'en étais sûr. Pourquoi il y a un truc devant là? C'est pour... Ah, c'est pour remonter si on a merdé, je crois. Bon, ben voilà. Après ça, moi je vais me faire à manger. Désolé. Parle à voix haute. Je réfléchis à voix haute plutôt. Parce qu'à parler à voix haute, oui. Nickel.
Si on découvrait une nouvelle zone. Ah, du coup, je comprends pourquoi quand on saute, on retombe sur le cheval. Pour prendre les grenades. Le truc qui arrive. Oh, un coffre là. Ok, on va faire le coffre. Non mais en fait si ça marche hein. Si ça marche, ils peuvent complètement bloquer à cause du bouclier. Faut vraiment se mettre derrière eux. Donc c'est un truc à savoir. Ah, ah, ah. Oh le petit gars. Eh ben putain. Petit bois. Je suis en train de me demander en fait si ça vaut le coup maintenant. Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre de toute façon ? Pas grand chose. Hein. Tiens, la tête, ça peut être intéressant. On va tester ça. Marre. Défendre contre un ennemi unique. Non. Faut un truc qui augmente la défense tout le temps. Je pense pas qu'on ait un truc comme ça en fait. La nouvelle Olympe. Notre truc de base, elle peut être pas mal. 40% de la durée d'étourdissement, ça c'est vraiment cool. Donc on a juste eu un skin. Un peu déçu. Surtout pour. Ok, là par contre, on va peut-être en chier. Je connais pas comment on combat le Cerbère. Qu'est-ce qu'il fait ? Explosion ? Que deux potions de soin.
Il y a des trucs qui ont aggro. Merci. C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin qui est arrivé? Je crois pas que c'était un Cerberus, hein. Je crois que c'est autre chose. On le découvrira plus tard. Bon, on commence à être short là pour les potions. Ennemis. Ah, attention. Oh la vache. Non, ça. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? 15% d'étourdissement. De l'étourdissement en plus quand on... Ouais, honnêtement, on devrait tout mettre dans la... Ça peut être pas mal, ça. 30%. Ouais, ça c'est pas mal. On a plus que 5. Tout va bien. Le one shot, je pense qu'on le one shot lui. Non. C'est sans déconner. Alors, ça va, la défense, on commence à en avoir un petit peu. En stock, les bleus et rouges, ça va aussi. Ah, là, on a quand même bien combattu, parce qu'on était vraiment à court de potions, quand même. Hein. Ça arrive pas souvent.
Il y a encore plein de trucs à explorer, c'est fou quoi. C'est incroyable. Tout ça. Comment on monte sur Athéna ? Il y a de l'herbe. Ah, carré là. Oh, sage Athéna, dont les récits vantent les mérites. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'escalader ton égide. Son égide, en forme de bouclier, rendait hommage à la domination d'Athènes en matière de stratégie. C'est mon égide à moi, tu sais. Du coup, c'est aussi une preuve d'amour d'Athéna pour Papa Zeus. Si tu le dis, le talent d'Athéna incita les Grecs à tisser de magnifiques étoffes et de sublimes tapisseries. Elle aurait mieux fait de les inciter à inventer l'ascenseur. Et bien entendu, ta chouette. C'est un plaisir. Phénix savait que la chouette représentait la sagesse d'Athéna. Une sagesse dont elle faisait bénéficier les héros mortels. Autant dire un gâchis de sagesse absolue. Cette contrée était empreinte de la sagacité d'Athéna, parsemée de temples dédiés à sa sagesse et à son esprit. Emplie de lieux aux mystères anciens. Nimbée d'indicibles dangers. Pas mal. Et les impôts locaux, c'est combien dans le coin? Ouais, non, mais je suis pas fan de temples partout, en fait. Phénix remarqua un édifice merveilleux. Après, ça va changer, hein. Du coup, ça change un peu. Un lieu où étudier les hauts faits et les stratégies des héros d'autrefois. Ah, ben on va y trouver Athéna, alors. C'est de moi qu'elle tient son esprit tactique, tu sais. Mais tu offres la même affection à tous tes enfants, bien sûr. Ha ha, bonne blague. Oh mon dieu, la zone elle encore plus grande que l'autre. Ah ben, poutir, on n'a pas fini. Hein. Un peu vite comme ça, parce que c'est vrai qu'en fait je prenais le temps de bien regarder, mais en fait ça aide pas vraiment quoi. S'il y a tellement de lieux, autant aller vite. Ouais. Quand même nettement mieux de faire les choses comme ça. Partout. Ah, c'est pas très très agréable à regarder, j'avoue. J'avoue que ça doit vraiment pas être très agréable.
Ok. Alors, on va encore un tout petit peu continuer. C'est quoi ça? Trouver l'ingrédient géant. Les amateurs de grenades le savent, plus l'arbre est grand, plus les fruits sont gros, qui aurait deviné. Alors imaginez la taille de ce qui pousse sur cette île. Alors, on peut d'abord faire le coffre. Mais je les one shot pas ça. Ça marche comme ça en fait. Faudrait que j'attende que l'autre revienne. On le one shot. Puis on passe au géant. Le coup aussi d'avoir le dernier enchaînement de la hache, du coup ça me permet de faire ça et après faire hache. C'est pas mal un enchaînement comme ça. Ça fait les trois coups rapides là, le dernier de l'épée. Et après je, du coup ça me redonne beaucoup d'énergie et après je fais attaque hache. C'est pas mal. Apparemment il est en haut. Coffre. Personne. Cool. Alors, on peut faire ça. J'en sais rien. Nous on voulait... Oui, non, on voulait faire ça là, parce que c'est une quête qui donne des pièces là. Je sais pas trop ce que c'est. Et la grande harpe, elle est là. Ah!
Il est où ton arbre? C'est celui-là, dans la cour. Sanctuaire de Moria. Il n'y avait pas un Assassin's Creed maintenant que j'y pense, où on pouvait incarner une femme. Athéna a fait de nombreux cadeaux aux mortels. Qui était RPG. Ceci venait lui rendre l'appareil dans son temple. Ah ben enfin quelque chose qui a du sens. Les mortels ne servent pas à grand chose, mais j'aime bien les cadeaux. Là, on pourrait changer par exemple Phosphore vu qu'il n'y a plus qu'un ennemi. On pourrait faire. Je sais pas, celui-là qui explose. Oh mon dieu, attends, j'ai. La Victa, gros. Pas très mal. Oh là là. Pas le. Ouh. H. Ah ouais, là on était monté. Et monter haut dans les rouges. Ah. C'est bon, on l'a trouvé. Oh, ça tue ? Ah, ça me donne vraiment pas envie d'y aller. On dirait les lasers à la Resident Evil, là, le premier film, ça va quoi. Je sais ce qui se passe, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie d'aller voir. Il y a des torches. Non, c'est juste du décor. Je suis pas très très certain si c'est du décor ou pas. Alors, on a une crypte. Bon. Tu veux pas que je descende en rappel à la mission impossible non plus? Oh.
crois que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, je sais pas si je peux... Oui, c'est bon. Mais je passe dans un carré là ? Alors, la réponse c'est oui et non. Oh mon dieu, ça saute pas trop. Si, si, on passe. Je vais être honnête, je doute que ce soit la façon dont il fallait le faire, mais... Hein, ça passe. Hein. Ah bah oui, bah en haut. Merde. Comment je vais les allumer, moi, en haut ? Comme ça. Non, ça va. Ah. Ouais, je pense que... Ouais. On n'était pas censé passer. On s'en fout. Non, 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 on est bon. Voilà. Oh là là. Plus deux, super. Allez. Il va me faire chier. Oh, esquive.
changer d'équipement. Très bien. Faut que je regarde s'il n'y a pas une touche pour changer d'équipement rapidement. J'ai jamais regardé. J'en avais parlé vraiment au tout début que j'avais joué au jeu, que j'avais commencé le jeu. Mais j'ai jamais vérifié en fait. Pour éviter d'aller dans le menu. Ça m'étonnerait encore une fois. Mais... Je regarderai après ça. Après cet épisode. Ah là. La statue. Oh, qu'est-ce que tu peux, un vautour rouge. Bon allez, on va s'arrêter là. On a bien bossé. On a vraiment, vraiment bien bossé. Oh la vache, ça va. Bah, ça m'a pas tué, mais c'était mouvementé, quoi. On va faire le long chemin là. Qu'est-ce que ce sera, Phoenix? 60. Je prendrai pas les éclairs par contre, j'essaierai de prendre un truc original, genre un skin ou une arme. Ça. Donc on avait dit qu'il nous faut. On va avoir encore plus de potions. Non, mais il nous faut quand même. 10. 12. Enfin, le plus possible, voilà, le plus possible. On va dire qu'on fait une pause pour les... On mettra même au niveau 5, peut-être. 3, 4... Non, c'est bien comme ça. Là, on va arrêter. Et maintenant, on continue à sauvegarder... Enfin, on gardait de côté pour les potions. Alors... En train de me demander, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un peu les arcs? Genre niveau 4 au moins pour débloquer. Attends, je vais voir. Oh! J'avais jamais fait attention à ça. Bah oui, on l'a jamais fait. On n'a jamais augmenté les flèches. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, les arcs. ...40% pour les... ...reconstituer les flèches...
Fragment de santé. Oui, ça peut peut-être être un soin, du coup. Faudrait tester. Fragment d'énergie. Probabilité de figer les ennemis pendant 5 secondes en cas de tir dans la tête. 50% de défense dans les airs. Ça sera utile aussi quand on combattra le truc. Ouais. Non, ça oui. Ça sera vachement utile. Pour de la défense. 40% de probabilité de figer les ennemis pendant 5 secondes en cas de tir dans la tête. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, on va faire le... On va débloquer les arcs. Enfin, l'amélioration. Voilà. Voilà. Je vais voir la défense si ça fonctionne ou pas. Attends, c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Alors attends. 42-21. Ça marche. Donc ça marche bien. 225 d'étourdissement pour celui-là. Mais le mieux, ça sera ouais, la probabilité de figer en fait. Ça peut être intéressant. Après, je sais pas. Les dégâts des flèches, quand on fait du indemne, ça peut être vachement bien. Mais dans un sens, je me dis que peut-être ça va être bien. Ouais, mais du coup, ça nous force à tirer dans la tête souvent. Non, on va garder le coup de vent. On va garder le coup de vent. Parce que... Les potions de soins, honnêtement, c'est pas comme si on en avait. On avait besoin de les économiser, on en a plein. Ce rouge. Parfait. Donc on avait dit qu'on voulait prendre ça. La parade et l'épée, elle a l'air d'avoir plus d'allonge. Pourquoi que... Maintenant, tu parais au même. On avait dit que ça, c'était pas mal. Ah oui, je pourrais prendre peut-être une attaque comme ça, ouais. Genre ça, en esquivant, on peut taper. Utilisable dans les airs pour un boost vertical en cas d'atteinte. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas d'esquive tapée. Après, on pourrait prendre genre le bouclier d'Athéna, je crois que c'est, ou alors les pics là qui sortent du sol. Mais pour être honnête, vu qu'on a l'attaque du marteau, bah... ouais, en plus ça nous fait une bonne allonge de faire ça. On peut changer de direction. On peut en faire tant qu'on a des esquives, c'est-à-dire 5. 1, 2, 3, 4. Après ça s'arrête. Le cinquième esquive, c'est fini.
Ah, c'est vachement cool. Ah, mince. Attends, l'attaque chargée... Ouais, d'accord. J'avais un doute, mais l'attaque chargée, elle a pas la onde de choc, je crois. Ouais, elle a pas l'onde de choc. Oh, c'est pas très grave. On l'utilisera quand même. C'est vrai que... Par contre, ça utilise le même nombre de... d'endurance ou pas? Je sais. Là, c'est 4. Ok. Et la chargée, c'est combien? 4 aussi. Donc on pourra en faire 2 d'affilée. Ouais. Bon, l'onde de choc, c'est pas perdu, je vais envie de dire. C'est pas grave. Mais je pensais que oui, ça allait s'additionner, mais en fait non, vu que ça... Vu que les embranchements en fait sont différents, bah du coup c'est pour ça que ça fonctionne pas. J'aurais dû avoir un peu plus de jugeote sur ça. Ouais, c'est pas les mêmes. Mais bon, comme j'ai dit, ça sera quand même utile. On va peut-être faire ça parce que je pense que les dégâts là d'étourdissement, si nous on rajoute à phosphore les 150% là où je sais plus trop quoi, je pense que ça ferait de l'étourdissement en AOE, ce serait intéressant. L'explosion. Après ça, oui, ça a l'air sympa. Build 92 étourdissement, je trouve que c'est vachement énorme en fait. Pardon. J'ai l'impression que c'est trop hein, comparé à un truc de marteau. Enfin, les marteaux, à la limite, c'est là pour les dégâts, en fait. Oui, non, c'est surtout là pour les dégâts. 1592 de dégâts. L'étourdissement à 3276. C'est pas abusé, c'est bien. Ouais, là c'est peu de dégâts, beaucoup d'étourdissement. Là c'est beaucoup de dégâts, peu d'étourdissement. Et le bouclier c'est quoi? Dégâts d'Athéna chargés à 1200, étourdissement 1900. C'est un peu... Les deux sont un peu les mêmes. Enfin, celui-là c'est un peu des deux. Canon de choc. Ouais, j'avoue que... Ouais. C'est l'étourdissement à 3200, désolé, mais je trouve ça un peu abusé. Ce n'est pas grave, on regrette pas ce qu'on a pris. Nous, on est H. J'ai toujours des oiseaux dans les cheveux. Ils doivent continuer à chercher des pommes. Où elle est, la lance d'Arès, en cas de besoin? Elle est où, la lance d'Arès? Ah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. On continuera la prochaine fois l'exploration dans la nouvelle zone, peut-être. Peut-être qu'on reviendra un peu dans les anciennes zones. Je suis pas complètement sûr. Genre là. Genre cette petite île à la con, là. Où les ennemis sont extrêmement puissants. Faudrait peut-être la finir. Un jour. Il y a aussi ça, l'épreuve d'Hermès. On verra ça. À la prochaine. Ciao, ciao. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ciao, ciao.